encore sur Xbox 360. Parti, mon kiki. Donc voilà, il y a le drapeau, suivant votre pays, vous pouvez choisir. Bah, il y a soit français, soit néerlandais, soit anglais. Donc moi, vu que je suis français, je prends français. Donc là, on appuie sur Start. Bien sûr, il faut choisir tout le monde. Moi, je suis player one. Ok. Comme vous voyez, il faut aller dans. Donc, moi, je vais faire deux, trois petites modifications. Paramètres. Paramètres. Je vais monter une minute, mais là, juste pour vous montrer. Je vais mettre 5 minutes, ça suffit. J'aime bien Manchester City et moi je pense qu'en fait la France et même pas souvent c'est sûr bah je suis à peu près de la même force et j'aime pas trop Paris donc voilà pour moi c'est bon. Donc là c'est juste l'entraînement. Moi je le fais jamais donc là on appuie sur start. On appuie sur start pour jouer au match. Ça c'est l'équipe Manchester City. Non, excusez-moi, United. Et voilà. Donc c'est Manchester United qui a le ball. Et ça joue. Donc alors. Excusez-moi, mais. Et que c'est dommage. Ça s'appelle un tir pas cadré. Donc alors, on va vous expliquer un peu les touches de dribble. Donc moi j'en connais pas beaucoup, donc je vais être. Donc déjà, si vous connaissez pas les demi-rien, vous appuyez sur Start. Après, vous allez dans Paramètres. Non, excusez-moi, c'est pas là. C'est dans geste technique. Après, on va appuyer sur LT. Ça fait. Ça change de vous voyez. LT, c'est pour avancer. RT, excusez-moi. Et LT, c'est pour reculer. Moi, j'aime bien là. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est les.
va regarder un peu, hein. Ok, donc voilà, vous avez vu, bon, on va finir 4 étoiles suite. Après, c'est pour les professionnels, on va dire. Là, jusqu'à 5 étoiles, donc on fait B. Voilà. Donc là, comme vous voyez, juste ici, vous avez l'équipe. Et là, ce qui est là, on va prendre Mouli, ou Van Persie, tiens. Vous voyez la bande verte, là, c'est leur puissance qui leur reste. Dans leur capacité. Donc là ils ont plus à fond. Ah oui, quand ils partent à le pied, je peux vous dire que c'est dur d'arrêter. S'appliquer sur le centre. Là je crois qu'il arrive pour appuyer ses joueurs davantage, ah. C'est n'importe quoi parce que c'est pas. Vous voyez, carton jaune parce qu'il tape par l'arrière. Donc là c'est souvent sur cette intervention. Et un but de Paul Saint-Germain quand Diego Silva de Manchester United va le marquer. Diego Silva qui joue au Portugal. Et regardez ce que je vais leur faire, ça va leur faire plus drôle. Et voilà, ça leur fait plus drôle. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Manchester United va remonter. Et voilà. Et Van Persie a marqué et 2-1 pour Manchester United. Et signalisation d'enjeu. On la passe. On va aller faire une petite fin. Déconne. Un petit dribble, ça peut marcher. Et merde, excusez-moi pour les grands mots, mais. Vas-y, vas-y, vraiment. La personne, pardon, mais. Il va rendre le ballon adversaire avec ses touches. Motard. Il se fait passer sur le côté, mais il s'est fait prendre. Vous avez vu? Ah,
l'occasion avec Zlatan Ibrahimovic. Oui, bien joué le contre, c'est pas fini. Bien joué Ferdinand, tu veux connaître ce ballon de Mathieu Digne. C'était bien tenté, mais ça manque de précision. Passe. Attention, pas trop lui laisser d'espace parce qu'il adore ça. Voilà, donc les succès déverrouillés, j'ai déverrouillé 25 G parce que j'ai fait un joli tir. Hein. Donc la vidéo sera un peu longue parce que le match c'est un match quoi, de 5 minutes. Sur cette interception, bien joué. Valencia. Donc voilà, c'est un temps, donc la vidéo sur c'est terminé. Ça sera dans la prochaine vidéo que je verrai la deuxième mi-temps. Merci, au revoir.